Parlant de serviteur de Dieu. Speaking of servants of God. Je vais juste faire une parenthèse ici. Just want to make a bracket here. Nous sommes tous des hommes et des femmes au service de Dieu. We're all men and women called to serve God. Et nous sommes dans ce cheminement de perfection. And we're all in this way of perfection. C'est-à-dire que le seul infaillible, c'est Dieu lui-même. Hein? The only one who never fails is God himself. Nous avons des failles et des faiblesses. We have weaknesses and we have failures. C'est pour ça que nous venons ensemble pour nous encourager les uns les autres. And hence why we come together to come and encourage one another. Parce que votre force m'encourage. Because your strength encourages me. Amen. Amen. Et donc, on a tous ces faiblesses, aidons-nous les uns les autres à pouvoir les porter ensemble. We all have weaknesses, let's help each other be able to bear with one another. Nous ne servons qu'un roi. We serve one king. Il n'y a qu'un seul trône. Only one throne. Et le roi est déjà assis. And the king is already sitting on it. S'appelle Jésus-Christ. Amen. Jesus Christ. Amen. Nous ne sommes que des serviteurs. We are only servants. Allons de la parole de l'Éternel cet après-midi. Let's turn together to the word of the Lord. Acte 2, 4. Let's turn to Acts chapter 2 and verse 4. Acte 2, 4. Acts chapter 2 and verse 4. Je sais qu'il fait un petit peu frais. You know, it will be cold for some. On va essayer d'aller rapidement. We'll try to go quickly. J'ai failli perdre ma licence de prédicateur hier soir. I almost lost my preacher's license. Mais en réalité, je ne sais pas si j'ai perdu. Actually, I don't know if I lost it. J'ai prêché et enseigné au-dessus de 70 minutes. I preached above 70 minutes. Amen. Ceux qui étaient là hier soir, je prêchais 70-75 minutes et je m'excuse pas, je m'excuse, je sais pas quoi dire. I'm sorry, but I'm not sorry. I preached 75 minutes last night. Fait qu'aujourd'hui, les mots devaient me manquer. So I should be lacking words today. Amen. Acte 2, 4. Acts 2 and 4. Et ils furent tous, tout le monde dit tous, remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Acts 10:46. Allons les trouver. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors qu'il dit, puis on refusait l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. For they were hearing them speaking in tongues, extolling God, and Peter declared to them, Can anyone withhold water for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have? Une dernière citation biblique, Actes 19:6. Acts 19:6. Acts 19:6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 2 hommes. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came upon them and they began speaking in other tongues and prophesying. There were about 12 men in all. Amen. Pouvez vous asseoir cet après-midi. You'll be seated this afternoon. Dans les dernières prédications que je vous ai présentées, en plus de mon côté, aussi mes collègues également. In the last few sermons that we have heard from pastor and from others, nous avons parlé un peu au sujet du Saint-Esprit ou de vivre afin de vivre pour Dieu. We spoke about the subject of the Holy Ghost or being able to live through Christ or with Christ. Nous avons dit que la vie chrétienne de nous-mêmes est non seulement difficile, mais elle est impossible. Speaking about how Christian life on our own is not only difficult, but also impossible. Si ce n'est par l'Esprit de Dieu en nous, c'est impossible de vivre comme un disciple de Christ. If it wasn't for the Spirit of God in us, it would be impossible to live as disciples of Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur le sujet des avantages ou les bienfaits de parler en langue. And today I'd like to speak about the benefits of speaking in tongues.
nous croyons que l'Esprit de Dieu nous donne la direction pour parler en langue. We believe God gives us direction to speak in tongues. Et c'est ce que nous venons de lire à travers de ces trois versets bibliques. And it's something we read in the past three verses. C'est quelque chose de normal et nécessaire dans l'Église naissante. It was something that was normal and necessary in the primitive church. Et toutes les personnes présentes au jour de la Pentecôte qui étaient réunies ensemble. And the 120 and so that were gathered together on the day of Pentecost. On parlait en langue lors du premier baptême du Saint-Esprit, si vous voulez. All spoke in tongues when they first received the Holy Ghost. C'est pour ça que Actes 2:4 déclare que tous ont été remplis d'Esprit Saint. It is why Acts 2:4 says they were all filled with the Holy Spirit. Et c'est eux qui se sont mis à parler en d'autres langues. They began to speak in other tongues. Comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. As the Spirit gave them utterance. Comme nous l'avons dit il y a quelques semaines. As we mentioned a couple weeks ago. C'est nous qui parlons. It is us that speak. C'est l'Esprit qui nous donne l'inspiration et la direction. But it is the Spirit that gives us the words. Mais l'Esprit de Dieu viendra pas articuler nos lèvres et notre langue. The Spirit of God will not come and move your lips and your tongue. Il viendra pas ouvrir votre bouche à votre place. He won't come and open your mouth for you. C'est ceux qui se sont disposés, ma soeur parlait tantôt, soyez Dieu vu que vous soyez disposés. And yes, they made themselves available, as our sister said earlier. Donc ils se sont mis disponibles devant Dieu et là l'Esprit leur donnait direction comment parler. They made themselves available before God and God gave them utterance of what to speak. Mais ce sont eux qui ont participé à exprimer et à déclarer cette parole. But they are the one who declared and shared that word. Tout en étant dirigé par l'Esprit de Dieu. In all with being led by the Spirit of God. Tout au long du livre des Actes des Apôtres. Throughout the book of Acts. Systématiquement, une manifestation de la présence de Dieu se trouve là. Time after time, when we see God's presence manifested. Lorsque les gens recevaient le Saint-Esprit, il y avait une manifestation. When people received the Holy Ghost, there was a visual manifestation. Bien sûr, l'Esprit Saint fait plus que donner les paroles en langue. And yes, the Holy Ghost is so much more than speaking in tongues. Quoique c'est une manifestation bien importante. Although it is a very important manifestation. Allons dans 1 Corinthiens 14, 13 et 14. Let's go 1 Corinthians 14, 13 and 14. 1 Corinthiens 14, 13 et 14. 1 Corinthiens 14, 13 and 14. N'oubliez pas, nous voulons parler de quelques bienfaits. And again, we just want to share a few benefits of speaking in tongues. C'est Paul qui écrit, il va dire, Corinthiens, 1 Corinthiens 14. It is Paul that says it in 1 Corinthians 14, et verset 13. Verse 13. Regardez, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile ou vide, si vous voulez. Therefore, one who speaks in tongues should pray that he may interpret. For if I pray in tongues, my spirit prays, but my mind is unfruitful. Donc, quand nous prions en langue, c'est l'esprit qui prie. So when we pray in tongues, it is the spirit that prays. De là, c'est important de prier pour recevoir cette interprétation. It is important to pray for interpretation for that. Afin que notre intelligence comprenne ce qui se passe. So that our mind would understand what is happening. Autrement dit, lorsque nous prions en langue. In other words, when we pray in tongues. Où l'Esprit de Dieu nous donne cette inspiration. When the Spirit of God gives us this utterance. Notre pensée, elle peut errer et se promener. Our mind can be distracted and be from left to right. Planer ou survoler quelque part ailleurs, si vous voulez. Distant somewhere else. Mais c'est là que l'apôtre nous appelle à pouvoir faire attention à ce qui se passe dans notre intelligence. It is where the apostle draws us or warns us to be aware of what is going on in our mind. On va essayer autant que possible de faire cette union aujourd'hui. We'll try to do as much as possible to make that connection between those things. Ce qui se passe dans ma pensée. What goes on in my mind par rapport ou en relation de ce qui est en train de sortir de ma bouche. In relation to what is coming out of my mouth. Il y a des changements spectaculaires qui arrivent avec le baptême de l'Esprit de Dieu. There are amazing changes that happen through baptism of the Holy Ghost. Dans la vie de la personne. In someone's life.
lorsqu'elle commence à parler en d'autres langues. When they begin to speak in tongues. Personnellement, je l'ai vécu moi-même. I personally lived it myself. J'ai vu des personnes et j'ai vu la différence que ceci a fait dans leur vie. I've seen people and I've seen others who were impacted and changed by this spirit. Lorsqu'une personne naît de nouveau, when someone is born again, et Christ vient vivre en elle, and Christ dwells in them, Christ va déposer des dons spirituels dans cette personne. Christ will put these gifts or spiritual gifts in them. Et c'est par l'œuvre de l'Esprit de Dieu Christ lui-même. It is by the work of the Spirit of Christ Himself que ces dons vont être découverts et devenir visibles chez la personne. That these gifts are discovered and become visible in the person. Il faut l'admettre lorsque nous commençons à parler en langue. We have to admit that when we begin to speak in tongues, probablement qu'on aura à lutter avec des pensées. We may have to wrestle with thoughts qui vont nous dire que nous perdons notre temps et que c'est fou ce qu'on fait. Telling us that what we are doing is crazy and a waste of time. Et parler en langue va devenir un grand exercice de la foi. And speaking in faith then becomes a great exercise of faith. Parce que nous allons dire qu'est-ce que je parle en ce moment. Because you'll begin to doubt and wonder what am I talking about. Qu'est-ce qui se passe? What is going on? Ça ne fait pas de sens ce que je dis. Makes no sense. Je ne comprends pas. I do not understand. Il y a une force qui me pousse à le faire. But there is this force pushing me to do it. Sinon, voyez une personne. If not, you can see someone qui est rempli là, de la présence de Dieu, filled with the Spirit of God, mais retient sa parole, ne parle pas, ne glorifie pas Dieu, withholding it and does not glorify God. Souvent, la personne va ressentir une grande pression en elle. At times, that person could feel a great pressure in themselves. Au point qu'elle va faire des mouvements brusques, to the point of doing some strong movements. À cause de cette présence. Because of this presence. Tandis que si la personne laissait aller cette force, cette pression en glorification à Dieu, but if that person could only release that power, il y aurait une évacuation de cette présence de Dieu en glorifiant son nom. That release would then begin to glorify God. Et c'est de là que c'est vraiment important de parler ce que l'Esprit met en nous. And it is why it is important to speak what the Spirit puts in us. D'ailleurs, dans le livre de Jude, as we see in the book of Jude, dans le verset 20, in verse 20, il va nous dire que nous édifions notre foi lorsque nous pratiquons ce langage surnaturel. It says that, beloved, building yourselves up in the most holy faith, keeping and praying in the Holy Spirit. Donc, nous sommes édifiés. We are built up and edified. Pourquoi que nous sommes édifiés? Why or how are we edified? Parce que ceci nous fait sortir du niveau de pensée humaine. Simply because it takes us out of the human thinking. Ceci nous fait sortir de raisonnement humain. It takes us out of human reasoning. Et il nous fait entrer dans un domaine surnaturel de la foi. It allows us to enter a supernatural realm of faith. Le parler en langue, c'est question de foi. Speaking in tongues is a matter of faith. Et de là que ceci va nous sortir de notre commodité. And it will bring us out of our comfort zone. Vous tous qui avez dû apprendre une autre langue, all of you who had to learn a different language, vous savez que c'est gênant lorsqu'on essaie de parler et on ne sait pas quoi dire. I'm sure you know the feeling of uneasiness of speaking and not knowing what to say. Et plus qu'on veut dire une telle chose, moins qu'on y arrive. And the more we try to say something, the less we're able to say. C'est quelque part, excusez-moi la comparaison, mais lorsqu'on vient à parler en langue, on devrait maîtriser ce qu'on dit. So, and somehow we try to master the language when we try to speak in tongues. Mais quand on arrive à ce sujet, nous devons faire confiance à Dieu. When we come to this subject, we must simply trust God. Et regardez ce que Jude de fin nous dit. Notice what Jude 1 and 20 says. Pour vous, bien-aimés, vous, regardez, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi, comment? En priant par le Saint-Esprit. Amen. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, how? Praying in the Holy Ghost. Donc, nous nous édifions nous-mêmes lorsque nous prions par le Saint-Esprit. We are building ourselves up when we pray in the Holy Ghost. Certains vont penser que le parler en langue, c'est dans un service où est-ce que c'est la grande joie. Some think that speaking in tongues is reserved to great services filled with great joy. Honnêtement, le parler en langue, ce n'est pas réservé à nos réunions ici. But honestly, speaking in tongues is not reserved for when we come together on Sundays. Le parler en langue, c'est une communication cœur à cœur avec Dieu.
But it is a straight communication to God's heart. Et c'est tellement édifiant lorsque nous sommes seuls face à face avec Dieu. It is so edifying when we find ourselves alone with God. Et nous prions par le Saint-Esprit. And pray in the Holy Ghost. Pourquoi c'est important ceci? Why is it important? Vous connaissez ce verset de Proverbes 18-21. If you can read Proverbs 18-21. Si c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers de nous. If it is the Spirit of God that speaks through us. Imaginez pendant un moment qu'est-ce qu'il est en train de dire. Imagine for a moment what is being said. Peut-être que nous ne comprenons pas exactement littéralement ce qu'il dit. We may not be able to fully understand what is being said. Mais une chose je peux vous garantir. But one thing is certain. Il est en train de parler la vie à travers de vous. He is definitely speaking life through you. How many areas of our lives are dying? What weakness are we walking through right now? The Spirit of God comes and speaks through us. And without knowing, nous sommes en train de parler parce que regardez, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera le fruit. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Lorsque l'Esprit de Dieu parle à travers de moi, when the Spirit of God speaks through me, Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et sont vie. Jesus said, the words that I give you are truth and life. Croyez-moi, lorsque vous êtes en train de prier en langue, vous êtes en train de parler la vie. Believe me, when you are praying in tongues, you are praying and speaking life. Dans ces domaines, dans votre vie, donc vous n'êtes pas en mesure de les contrôler. In these areas of your life that you're not able to control. Vous ne rendez même pas compte ce que vous êtes en train de prier. Perhaps not even realizing what you are praying. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui parle de la vie à travers de vous. Therefore, the Spirit speaks life for you. Pourquoi? Why? Regardez ce qu'il y a de tellement important. Notice what is so important in the Word. Quelqu'un a-t-il déjà imaginé qu'est-ce qui arriverait si vous deveniez muet? Have you ever thought about the idea of losing your voice? Quelqu'un? Anybody? Plus capable de parler? No longer being able to talk? Qu'est-ce que ça dirait? How would it look like? Comment cela viendrait influer votre vie? How would that influence your life? Combien d'entre vous seraient en mesure encore de faire votre travail si vous étiez muet? How many of you could still do your job if you were you couldn't talk? C'est une habilité très nécessaire. It is a very important ability. Le parler, la vie émane à travers de la parole. Life comes through the Word. La création a été faite par la parole de Dieu. Creation was made through the Word of God. Donc lorsque nous parlons, nous sommes en train de créer ou amener à vie des idées et des pensées. When we speak, we bring life to these ideas. Imaginez lorsque l'Esprit de Dieu parle à travers de vous. Imagine when the Spirit of God speaks through you. Combien de ténèbres disparaîtraient si on permettait à l'Esprit de Dieu de parler à travers de nous. How much darkness would flee if we allow the Spirit to speak through us. Parce que l'Esprit est en train de parler la vie et la lumière. Because the Spirit is speaking life through you. Regardez, Hebrews 1 and 3. Hebrews 1 and 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. Regardez, il soutenait toutes choses par sa parole puissante. It says, upholding the universe by the word of his power. Autrement dit, la parole de sa puissance. In other words, the power of his word. Dieu soutient toutes choses par la parole de sa puissance. He upholds everything by the power of his word. Regardez comment. Il dit pas seulement par sa puissance. He doesn't just say by his power. Il dit par la parole de sa puissance. But the word of his power. Sa puissance doit être exprimée. The power has to be expressed. Parce que lorsqu'elle est exprimée, ceci devient la vie. Because once it is expressed, it becomes alive. Donc quand l'Esprit de Dieu parle à travers de vous. So when the Spirit speaks through you, il parle la vie. He speaks life. Quelqu'un qui a besoin de vie quelque part dans un domaine quelconque. Anybody in life, in any area of your lives. Le parler en langue va donner direction. Speaking in tongues will give direction.
et va nous aider dans l'intercession. It will help us in intercession. Combien qui se demande comment dois-je prier? How many of us ask yourselves, how am I to pray? Que dois-je dire? What am I supposed to do? Que dois-je demander? What am I supposed to ask? Que dois-je faire? What am I supposed to say? Romains 8:26-27. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Regardez bien notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romans 8:26-27. Likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And he who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. Il intercède en faveur des saints. For the saints. Parce qu'il connaît les pensées. Because he knows the will of God. Il connaît notre faiblesse. He knows our weaknesses. Et lorsqu'on ne sait pas quoi prier. And when we do not know what to say. L'Esprit de Dieu, il a un M majuscule si je ne me trompe pas. The Spirit here with a capital S. Est en train de faire une intercession par des soupirs que nous ne comprenons pas nécessairement. Intercedes with groanings that we do not understand. Laissez-moi le dire à nouveau, je ne l'ai pas dit de la bien bonne manière ici. Par des soupirs inexprimables. Hereby intercedes of groanings too deep for words. C'est pas nécessairement que nous ne comprenons pas. It's not that we don't understand. Mais plutôt qu'on n'est pas capable de les expliquer ou de les exprimer. But we can't express it or say it. Mais nous pouvons les comprendre. We can't understand it. On ne sait pas quoi dire, on a une sensation de prier, mais je ne sais pas quoi prier. We feel like praying, but we don't know what to pray. Je sens une faiblesse, mais je ne sais pas quoi dire. I feel weakness, I don't know what to say. Et l'Esprit commence à exprimer, à intercéder pour des soupirs que je ne peux pas exprimer. And the Spirit begins to express itself in groanings too deep for words. Parce qu'il sonde mon cœur. Because he searches my heart. Il connaît la pensée de l'Esprit. He knows the word or the thoughts of the Spirit. Et c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. And it is according to the will of God that he intercedes for his saints. Nous vivons de grandes expériences grâce au parler en langue. We live great experiences because of this of speaking in tongues. Parfois des personnes auxquelles nous n'avions pas pensé pendant longtemps. Maybe at times of people we haven't thought about for a long time. Et nous reviennent en mémoire. And come back to our mind. Et nous prions pour cette personne. And we pray for that person. Et par exemple, dans quelques jours. For example, in a few days. Ils vont nous contacter. They'll contact us. Ils vont nous raconter les moments auxquels ils étaient en train de passer. And tell us of the moments they have been going through. Et ceci va se multiplier dans notre vie. And this will simply multiply in our lives. Et si nous faisons attention, on va se rendre compte. And if we are careful, we will notice. Que ces expériences extraordinaires. That these ordinary experiences. Ont une relation avec notre prière en langue. Are directly connected with our prayers in tongues. Je ne parle pas nécessairement ici dans la congrégation. I'm not speaking about prayers here in our service. Quoi que ça puisse être. Although it could be. Mais dans cette communication personnelle avec Dieu. But in this personal communication with God. On peut se rendre compte qu'avec cette manière de prier. We suddenly will realize that through this prayer. Nous prions avec une sagesse. We pray with a wisdom qui dépasse de loin nos capacités intellectuelles. Surpassing all of our own intellectual abilities. Parce que nous allons prier selon la pensée de Dieu. Pray according to the will of God. Notre esprit qui possède la pensée de Christ omniscient. Our spirit that possesses the omniscient mind of God. Va prier pour ces personnes alors qu'on aurait été incapable de prier pour elles. We began to pray for those that we were not able to pray for before. Et souvent on n'est pas en mesure d'expliquer c'est quoi l'intercession. And perhaps we're not able to express or explain what intercession is. Mais je ressentais de prier pour toi, ma soeur. But I felt to pray for you, my sister. Je ressentais de prier pour ta famille. I felt to pray for your family. Je ressentais quelque chose que je ne peux exprimer. I felt something.
something I cannot express. Je me souviens, à un moment donné, il y a 2-3 ans. I remember a few years ago, j'étais au sous-sol chez nous. I was at home in my basement. Et le Seigneur a mis dans mon cœur de vraiment prier à ce moment-là pour une famille en particulier. And God had put on my heart to pray for a specific family. Je ne savais pas ce qui se passait. I did not know what was going on. Je l'ai su quelques heures plus tard. But found out a few hours later. Ou le lendemain. Or the next day. Que la famille était dans un péril à ce moment-là. That the family was in great danger at that moment. Mais à ce moment-là, tout ce que je pouvais faire, c'est prier en langue. But at that moment, all I could do was pray in tongues. Qu'est-ce que je sais? What was I saying? Je ne peux pas l'exprimer. I can't express it. Mais une chose est sûre. But one thing is certain. L'Esprit de Dieu parlait à travers de moi la vie, la protection pour ces personnes. The Spirit of God was speaking protection and life for that person. Ces personnes-là ont dit par la suite. Those people said afterwards. Je pensais que c'était la fin de mes jours. We thought it was it. It was the end. Je pensais ne plus jamais te revoir, maman. We thought we'd never see you again. Mais Dieu, qui est tout puissant, qui sait toutes choses. But God is Almighty that knows. Put all of our hands together for a moment. And just glorify the Lord for a moment. Hallelujah. 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 Merci, Seigneur. C'est la parole de ta puissance, Seigneur. C'est la parole de ta puissance qui nous garde, qui nous délivre, qui nous protège. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Hallelujah. Humainement, parole est capable de faire des choses. Humanly speaking, we are not able to do these things. 1 Corinthians 14, 2. 1 Corinthians 14, 2. 14, 2. 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend, et c'est en esprit qui dit de l'instant. For one who speaks in the tongue speaks not to men, but to God. For no one understands him, but he utters mysteries in the spirit. De mystère, certainement. Definitely mysteries. Mais pas pour toujours. But not forever. Il y a une intercession qui est faite. There is an intercession that is made. Mais ceci nous donne aussi direction et nous donne révélation. But this will give us direction and revelation. Parce que nous avons besoin de savoir comment nous diriger par la suite. Because we'll then find out where to go afterwards. Nous ne soyons pas comment prier pour quelqu'un. We may not know how to pray for someone. Mais lorsqu'on prie. When we pray. Et l'Esprit de Dieu parle à travers de nous. And the Spirit of God speaks through us. Il y a une intercession. There is an intercession. Mais il y a aussi une révélation qui nous est donnée. But also a revelation that is received. Dieu nous révèle des choses. God reveals to us things. Et la puissance de Dieu se manifeste surnaturellement. And the power of God is manifested in a supernatural way. Parce que nous sommes en mesure de comprendre certaines choses. Because we are able to understand certain things. Quand vous priez en langue, when you pray in tongues, c'est votre esprit qui est en prière. Your spirit is in prayer. Votre esprit est né de nouveau. Your spirit is born again. Votre esprit a la pensée de Christ. Your spirit has the mind of Christ. Et il sait exactement ce qu'il faut faire. It knows exactly what to do. Grâce à l'onction que Dieu vous donne. Because of the anointing God gave you. Vous connaître toutes choses. To know all things. Quand vous priez en langue, when you pray in tongues, c'est votre esprit qui est en prière. It is your spirit that is in prayer. Puisqu'il est né de nouveau. Before he's born again. Votre esprit opère de cette manière. It operates this way. Dans une dimension qui est hors des limites humaines. A dimension that is beyond human limitations. Nous prions au-delà de notre pensée humaine. Beyond our own minds. Au-delà de notre connaissance. Beyond our own knowledge. Au-delà de notre compréhension. Beyond our understanding. Au-delà de notre sagesse. Beyond our wisdom. Ça se passe dans un domaine surnaturel. It happens in a different realm. Et la vie de la personne est transformée.
transformés complètement. And lives are changed and transformed. Si seulement nous tenions compte de la puissance, if only we could acknowledge the power, et de la révélation que nous trouvons dans l'Esprit de Dieu, the revelation we receive in the Spirit of God, que lorsque je parle en langue, when I speak in tongues, non seulement j'intercède, not only I intercede, mais Dieu est en train de me donner révélation, but God is giving me revelation, la révélation dont nous avons besoin, revelation that we need, et nous les communique, speaking to us. Mais il y a un point que je voudrais faire en face ici. I'd like to make emphasis on this. Et c'est dans 1 Corinthiens 14, 13. And that's 1 Corinthians 14 and 13. Les révélations qui nous sont données. These revelations that we receive. 1 Corinthiens 14, 13. 1 Corinthians 14 and 13. C'est pourquoi celui qui parle la langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Therefore, one who speaks in the tongue should pray that he may interpret. Ici, je ne parle pas de prière en langue ou un message prophétique ou en langue dans la congrégation. Here we're not speaking of a message in tongues in the congregation. Parce que dans la congrégation, on doit s'arrêter pour qu'il y ait l'interprétation de ce qui a été dit. Because in the congregation, we wait for the interpretation. Mais ici, l'apôtre dit, verset 13, celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter pour soi-même. But here the apostle says that therefore one who speaks it should pray that he may interpret. Parce que dans le même chapitre 14, verset 4, because in the same chapter in verse 4, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise. Because he says, it shows the difference here between the one who speaks in tongue builds up himself, but the one who prophesies builds up the church. Mais quand je parle en langue, moi-même personnellement, when I pray in tongues personally, c'est là que l'apôtre nous appelle à demander l'interprétation pour nous-mêmes. It is where the apostle calls us to find or to seek interpretation for ourselves. Donc quand vous priez seul, when you pray alone, croyez que Dieu demandait à Dieu qu'il vous donne à comprendre ce que vous êtes en train de prier. Ask God to give you the ability to understand what you're praying. Évidemment, dans la congrégation, il va avoir une interprétation dans une langue, dans des phrases complètes. And yes, in the congregation, we receive full interpretation with full sentences. Et on s'arrête pour ça. And there is a solemn pause for that. À cause de la présence de Dieu. Because of the presence of God. Mais lorsqu'on parle d'une interprétation personnelle, when we speak of a personal interpretation, peut-être c'est notre perception qui va changer. Our perception may shift. Peut-être que je ne reçois pas une parole précise. It may not be a direct word. Mais tout à coup, les choses commencent à s'éclairer. All of a sudden, things make more sense. Et nous commençons à voir sous un angle nouveau. We start seeing things under a new angle. Des fois, ça va prendre une semaine. It may take a week. Des fois, ça va prendre moins de temps. It may take even less. Mais lorsque nous passons le temps à prier en langue, well, we can spend time speaking in praying tongues. Et à croire que Dieu va nous donner l'interprétation. Believing that God will give us interpretation. Ce sera un processus. It'll be a process. Et ceci, plus que prouver que vous avez reçu le Saint-Esprit. And this is more to prove that you received the Holy Ghost. Il y a plutôt d'autres raisons. There are more reasons. Et ceci devait faire partie de notre vie quotidienne. And these should be part of our daily life. C'est une manière de communiquer directement de cœur à cœur avec Dieu. There's a direct connection, direct communication to God's heart. Et c'est une communication qui va court-circuiter notre intelligence. It is a communication that will short-circuit our own intelligence. Qui va court-circuiter nos craintes, nos doutes. Short circuit our fears and doubts. Parce que c'est une communication face à face, cœur à cœur avec Dieu, le Père de l'éternité. It is a direct communication with God. Prier en langue, praying in tongues, va nous édifier, will edify us, va édifier notre foi, will edify our faith, et va libérer la sagesse cachée de Dieu en nous, and free the wisdom of God that is imprisoned in us. Et nous allons pouvoir pratiquer librement. And we'll be able to practice liberally. Ou parler librement en langue. And speak liberally in tongues. Par la foi. Through faith. Et je prie que nous puissions recevoir. I pray that we will receive. Tous ces avantages. All these benefits. Tous ces bienfaits inhérents au parler en langue. All these benefits connected to speaking. Combien de fois, maman, tu ne sais pas comment prier pour ta famille? How many times, mom, you don't know how to pray for your children? Tu es au bout de la corde. Yeah, with end. Tu ne sais pas quoi faire. And you don't know what to do. Humainement parlant, tu ne sais plus quoi faire. Humanly speaking, you have no more idea. Tu ne sais plus quoi dire. You don't know what to say. Mais tu commences à prier. But you begin to pray. Et tu donnes cette liberté à l'Esprit de Dieu de parler en langue à travers de toi.
and give the liberty to God, just speak in tongues and pray through Him. And as you pray in tongues, you ask God. Dans ton intelligence, in your own intelligence. Parce que ton intelligence est encore en train de penser. Because your intelligence is still speaking. On perd pas la tête pendant qu'on parle la langue. We don't lose our mind while we speak in tongues. On est quand même conscient. We're still conscious. On n'est pas ailleurs. We're not somewhere else. Mais peut-être on reçoit pas une traduction ou une interprétation. We may not receive a direct interpretation. Mais on reçoit une perception de ce qui est dit dans la langue que nous sommes en train de prier. But we can perceive what is being said in the tongue we are praying. En train de nous diriger. And God is leading us. Et il est en train de nous révéler. And God is revealing it to us. Et il fait cette intercession à travers de nous. And he intercedes through us. Et tout à coup, le Seigneur met dans votre pensée. And all of a sudden, the Lord puts in your mind. Une telle personne. A person. Un tel événement. An event. Une telle activité. An activity. Un tel enfant. A child. Ou une telle difficulté. Or some difficulty. Et vous ne pouvez pas l'exprimer littéralement. You can't express it literally. Mais vous savez qu'il y a une liaison directe entre ce que vous êtes en train de prier et ce que le Seigneur a mis dans votre pensée. You know, there is a direct relationship between what you are praying and what God put on your mind. Et tout de suite, sans que pas grand chose se soit passé, si vous voulez. And right away, without something crazy happening. Il y a une paix qui vient nous envahir. There is a peace that comes over you. Il y a une réponse qui vient dans notre cœur, dans notre pensée. There is an answer that comes to your mind and to your thoughts. Et tout à coup, la prière change. And all of a sudden, prayer changes. Et on commence à glorifier Dieu. And we start to glorify God. Parce que nous savons que Dieu a déjà agi à notre faveur. Because we know God has already acted on our behalf. Et nous savons que Dieu a déjà répondu. We know that God already answered. Il y a 15 secondes, je ne savais pas quoi faire. 15 seconds earlier, I did not know what to do. Je ne savais pas quoi dire. I did not know what to say. C'était la fin du monde. It was the end of the world. Il n'y a pas de solution. There's no solution. Il n'y a pas de réponse. There's no answer. Mais tout ce que j'ai fait, c'est glorifier l'Éternel. All I did was glorify the Lord. Tout ce que j'ai fait, c'est permettre à l'Esprit de Dieu de prier à travers de moi. All I did was to allow the Spirit of God to pray through me. Et on sent une paix parce qu'il y a une révélation que Dieu nous donne. And we feel a peace because there's a revelation that God gives us. Et tout ce qu'on peut faire, c'est glorifier l'Éternel. And all we can do is glorify the Lord. Et on commence à dire, tu es si bon, Seigneur. We say, tu es si merveilleux, Seigneur. You are wonderful, you're great. Et on glorifie son nom. We glorify his name. Et on exalte. And we exalt him. Et au lieu de continuer à magnifier les problèmes, instead of magnifying the situation, on commence à magnifier l'Éternel. And magnify the Lord. On commence. Isaiah 26:4. On commence au verset 3, 26:3. Isaiah 26:3. Isaiah 26:3. Regardez bien. À celui qui est fermé dans ses sentiments, tout descend dans ses pensées, sois sous la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. You keep him in peace, in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for the Lord God is an everlasting rock. Je n'ai pas vu tout le contexte de ce passage encore. I don't have the context of this scripture. Mais dans le verset 5, regardez. In verse 5, notice. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs et a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. For he has humbled the inhabitants of the height, the lofty city. He lays it low to the ground, casts it to the dust. Et les foulait aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. The foot tramples at the feet of the poor, the steps of the needy. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis les sentiers du juste. The path of the righteous is level. You make level the way of the righteous. Verset 8. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. In the path of your judgments, O Lord, we wait for you. Your name and remembrance are the desire of our soul. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter. Today, I'd like to invite you à vous confier à l'Éternel. To trust in the Lord. Vous ne savez pas quoi prier. We don't know what to pray. Vous ne savez pas quoi dire. We don't know what to say. Vous êtes tout simplement surpris.
You're simply at all. Et tout ce qu'on a à faire. And all you can do, c'est commencer à lui rendre gloire et louange. Just to begin to give him praise et de remettre que l'Esprit de Dieu nous inspire à le glorifier. Allow the Spirit of God to inspire us to glorify Him. La meilleure louange que tu vas donner à l'Éternel. The best praise you can give the Lord. Ne sera pas nécessairement celle qui est dans ta propre langue. May not be the one in your own tongue. Mais celle que l'Esprit de Dieu met dans ta bouche. But the one that the Spirit of God puts in your mouth. Celle que tu n'as pas nécessairement une interprétation directe. The one that you may not know or may not have interpretation for. Mais tu sais que tu es en train de le louer, de le glorifier. But you know you're glorifying Him and praising Him. Tu ne comprends pas les mots en soi. You may not understand the words. Mais tu sais qu'il y a un fort sentiment de louange de l'Éternel. You know there is a great feeling of praise towards the Lord. Que quelqu'un éclate en glorifiant son nom. Someone lets out while glorifying His name. Can we praise Him together right now? Si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, if you have yet to receive the Holy Ghost, la promesse est pour toi. The promise is for you. Viens à Christ. Come to Christ. Si tu as déjà expérimenté, if you have been filled with the Holy Ghost, ce n'est pas seulement une fois. It's not just a one-time thing. C'est une vie quotidienne. But it is a daily life. Parce que de parler en langue, because speaking in tongues, va mettre de la lumière dans ton chemin. Will put light on your path. Va donner l'assurance dans ta voie. Will put assurance in your path. Hallelujah. Dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Nous te glorifions. Nous concédons ensemble. We all stand together this afternoon. Just commencer à glorifier son Seigneur. Just start to glorify His name. Just permettre que l'Esprit de Dieu agisse en nous. Just allow for His Spirit to act and to move through you. Souvenez-vous que c'est la parole de sa puissance. Remember that it is the power of His presence. Donc, il doit avoir une articulation. There has to be words. Il doit y avoir des paroles qui sortent. There has to be words that come out. Et ça, c'est toi qui vas le faire. And you will do it. Et l'Esprit de Dieu te donnera la direction. And the Spirit of God will give you direction. Amen.